Ce mardi 8 mars est une journée spéciale pour les présentatrices emblématiques de la Maison des maternelles. Non seulement cette journée est marquée par la Journée internationale des droits de la femme, mais également par les 20 ans du programme qu'elles ont, au fur et à mesure des années, présenté. Reçues par Agathe Le Caron, ces dernières se sont alors penchées sur leurs années aux commandes des maternelles. L'occasion pour Julia Vignali de partager les changements qu'elle a constatés dans sa vie privée. J'ai toujours pensé que j'avais vécu un accouchement idéal, que mon couple était idéal, que ma vie était idéale. Et un jour, j'ai présenté les maternelles et, je suis un peu descendue de mon perchoir, a d'abord partagé la compagne de Cadmerade. Avant de poursuivre, non sans humour, au sujet de sa vie sentimentale, moi, mon amoureux actuel, me regardait aux maternelles. Sans leçon par contre, je ne sais pas comment le prendre. Une personnalité riche en révélations. Julia Vignali n'est pas du genre à être avare en révélations. Pour preuve, le 16 février dernier, l'animatrice de Télématin avait fait, durant son émission, des révélations sur sa situation financière. Alors que le chroniqueur Axel de Tarlet présentait un sujet portant sur les impôts et la satisfaction des Français, la maman du jeune Luigi avait ensuite partagé son avis sur la question. C'est-ce vrai que nous, les Français, payer les impôts, on n'aime pas ça. C'est normal, mais par contre, on trouve que nos agents du fisc sont très courtois, avait-elle d'abord indiqué, avant de s'épancher sur sa situation, pour un redressement fiscal, on arrive toujours à avoir son interlocuteur. Je le sais, j'en ai un en ce moment et je suis très contente.